Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Et aujourd'hui, on se retrouve depuis un long moment pour une nouvelle vidéo de Star Trek The Official Starship Collection. Désolé, depuis le temps, j'ai un peu perdu la prononciation. Oui, ça fait un long moment. Et donc cette vidéo sera la prochaine qui sera publiée le 2 août. Et à partir de là, il y aura une série de, en tout, 6 autres vidéos, comme vous le voyez ici. Oui, je sais, j'ai une très très belle écriture. Donc d'abord, comme vous voyez, on commence par un vaisseau temporel Crinim. Ce sont des maquettes que j'ai depuis longtemps, dont je n'ai pas encore fait vidéo. Deep Space Nine, l'USS Buran de Discovery, l'USS Horizon de classe Daedalus, l'USS Grissom et le Runabout Danube. Voilà, ça... c'est le programme, et donc on va commencer tout de suite avec l'arme temporelle Crinim. Un petit peu de poussière, désolé. Donc on commence comme d'habitude par le magazine, que vous voyez ici. Donc, l'Empire Crinim, lancé au 22e siècle, long de 1550 mètres, et distorsion maximale de 6, ce qui n'est pas beaucoup. Mais sachant que c'est un vaisseau lancé au 22e siècle, ce n'est pas étonnant. Et au fait, je tiens à vous dire une chose, je parle de science de cause, sachant que j'ai vu l'épisode, le double épisode, l'année de l'enfer. Merveilleux épisode. Donc ça c'est le choix, c'est le point de vue arrière. Parce que ça n'a pas l'air de l'avant, je vois pas le cristal. Ça c'est l'avant. Donc le module, je ne sais pas trop quoi, et notre module. Empire Crinim, 22e siècle, 2374, détruit en 2374, dans le quadrant Delta, 1550 mètres, 1506, noyau temporel, arme temporelle, ça doit être l'arme principale, des armes énergétiques directionnelles et le capitaine Anorax. Merveilleuse image. Je crois que ça va être les moteurs d'impulsion. Ici impulsion et là distorsion, je pense. Voilà. Donc un vaisseau du quadrant Delta qui opérait en dehors de l'espace normal. Il était hors du temps, du coup les personnes ne pouvaient pas vieillir. Et qui effaçait des personnes entières de l'histoire. Et des espèces. Comme vous voyez ici, donc il tient un rayon et ça éradique. Voilà donc le capitaine Anorax. Là ce sont les différentes fluctuations temporelles, les lignes. Ici une civilisation en train d'être éradiquée. Attendez, là c'est le meilleur après. Donc Anorax cherchait à rétablir l'Empire Crinim. À sa hauteur, sauf qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ça ne rétablissait pas entièrement la ligne temporelle, et à chaque fois ça rétablissait ce qu'il fallait, sauf à l'exception de sa femme, sur une colonie, décédée d'une maladie. Donc vous voyez donc le Voyager là, je ne sais pas, mais je crois que ça vient de l'épisode. On voit donc un vaisseau allié qui percute le Voyager au niveau de la passerelle et du senseur dorsal après avoir été touché. Ah, les spécifications. Donc ici, Dispersal 20, sûrement pour masquer la signature de distorsion.
Donc ça, c'est des conduits de puissance de distorsion. Le centre de contrôle et les habitations. Ah oui, le générateur de chroniton. Chroniton qui sont des particules temporelles, on a vu souvent dans l'ère de la nouvelle génération. Forward momentum conditionals. Momentum, je ne sais pas, mais ça c'est toute cette partie est partie intégrante de l'arme. Voilà. Donc temporal shockwave, onde de choc temporelle. Anneau, c'est pour ça qu'il génère une onde de choc dès qu'une espèce est éradiquée. Une onde de choc se répand dans l'univers et modifie les événements. Par exemple, le voyageur faisait face à des vaisseaux, je crois que c'était ZAL, mais je suis pas sûr. Et après l'onde de choc, le vaisseau était très amoché. Ensuite, stabilisation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Momentum conditionnement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Warfare pressure, je pense que ça va être une nacelle. Ensuite ici, à l'avant, Fine Accelerator, je ne sais pas. Time Range Sensor qui sonde. Release tune. J'en sais rien. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah voilà. Les vaisseaux Krennim. Alors on a pu voir à l'occasion dans les deux épisodes deux types de vaisseaux très différents. Ou trois. Enfin trois en tout cas. Le vaisseau temporel. Ce vaisseau qui est un vaisseau de guerre. Krennim très puissant. Qui a causé de nombreux dommages aux voyageurs. Voilà. Après personnellement je le trouve pas très beau. Donc on a une nacelle là. Lance-torpille avant. Voilà. Très agressif comme les ailes. Et là un vaisseau, je dirais floral. Non je plaisante. Ça c'est aussi un vaisseau crénible, mais plus petit, beaucoup plus petit. Et c'est un vaisseau de patrouille, pas de guerre. Donc on voit que la différence ici, donc on a un vaisseau très agressif, on remarque des similarités de design. Mais celui-là est très peu puissant. Il n'est pas capable de faire de gros dommages. Ah, designer, créer l'année de l'enfer. Donc on a un des plans final. On voit pas le cristal ici, le cristal temporel, ni ici ici le design a changé. Voilà. Ensuite, alors ça, ça c'est pas la version finale parce que si je me souviens bien cet épisode, il n'y a pas toute cette partie qui est arrachée, même si j'adore ça. Mais sinon, ça ce sont des plans qui montrent donc Voyager bien amoché. Ici l'explosion de la surcharge du générateur, le pont a été entièrement détruit. Générateur de phaseur, voilà, c'est ce que je cherchais. Différents designs proposés. Ici on voit qu'il y a des pointes, ce qui n'est pas le cas pour le vaisseau original. C'est plus arrondi, moins agressif donc. Ici on voit différents designs. Là, on dirait qu'il y a 4 pics. Là, 5. Il n'y a pas de pointe à l'arrière. Et là, 5 aussi, mais différents. Avec plus courbé. Design très différent, mais beaucoup de triangles, de pointes en fait. Montrer l'agressivité. Mais ce design-là est celui qui est le plus proche du design final. Donc voilà, ça c'est une image originale. Après, donc le vaisseau est percuté. Donc on voit bien. J'ai rapproché. On voit bien. Donc on voit bien ici donc la passerelle qui est ouverte. Avec là l'explosion, et là ici toute la partie qui a été complètement détruite avec des explosions consécutives. J'espère que vous voyez bien, si vous ne voyez pas, vous me dites. Donc voilà, vous voyez ici le cristal de focalisation temporelle qui permet de détruire. Alors ici, donc oui, on voit que d'après les relevés, en fait, en adaptant les boucliers du voyageur au bouclier temporel, ça lui a permis de résister non seulement aux torpilles, aux chronitons, mais aussi aux modifications de la ligne du temps. Du coup, il a comparé les différents
la différente taille de l'espace Crédim. Ils sont aperçus qu'il est devenu tout petit, et après plus grand. Ah oui, aussi, c'est la première, et il me semble que c'est la première fois, la nuit du diable, qu'on voit la salle de cartographie stellaire, mise au point par Harry Kim et Seven of Nine. Voilà, première apparence, Year of the Hell, partie 1, Sons of Voyager, et créé par Steve Burke. Et le prochain, c'est Classibula, mais ça n'est pas celui-là. Et voilà une vue de dessus. Donc maintenant, je vous propose de passer à la maquette. Et donc nous voici à la maquette. Alors, voilà, au revoir. Alors comme vous voyez, j'ai réussi à faire un support. Je vous montrerai le support. Je l'ai fait avec des Kinex. Ça s'appelle comment déjà? Support en boule particulier. Donc j'ai fait en Kinex, c'est un jeu de construction avec des tubes et des fixations. Ça change absolument rien. Voilà. Et donc voici le vaisseau Crénim. Donc voilà. Il n'y a pas le cristal de focalisation temporelle. Dommage. Donc ils ont utilisé des pièces transparentes ici, bleu, très très joli. Ça bouge un peu, je sais pas pourquoi. Alors, plastique. Plastique, métal. Ouais, cette partie-là est en métal, les nacelles. Là, il y a impulsion, ici, là. Impulsion. Ils ont fait donc ces parties-là en gris clair. On n'a pas pu faire tous les détails. Donc, on voit que la peinture de surface est bien appliquée, avec des détails très géométriques, carrés et rectangles. Ici, donc, il y a l'anneau. C'est juste peint. C'est pas une pièce transparente. Donc, on voit l'anneau de l'arrière avec le dispersion ionique. Hop. Vous voyez, là. C'est pas peint de la même manière. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est... Ici, les senseurs temporels. Ah oui, c'est ça, c'est senseur temporel, ça. Voilà, il y en a, donc voilà. Suffisamment. Ah oui, là, il y a une partie grise. Voilà. Après, c'est vrai que là, ils auraient pu, peut-être, ça manque un peu de détails ici. C'est trop uni. Ouais, trop puni. Il manque des détails ici. C'est dommage. Bon, mettons-le sur le... Alors comment ça marche? On le met comme ça. Ouais. Voilà. Donc c'était voilà le vaisseau temporel Crénim. Voilà. Maquette assez grande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime sur la vidéo. Et donc je vous retrouve le 3 août. Enfin, je vous retrouve le 3 août pour... si je ne me trompe pas. Deep Space Nine. Voilà, du Space Nine. Et donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et salut tout le monde.